Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में. कृपया देखें suprememastertv.com/schedule. Enemies always happen to bump into each other, and then love at first sight, even, you know, and all that stuff. And then you never know what, you know. Everything is full of all the appearance in this world just kind of fool you, and you lost everything, and you don't even know. Please continue watching to find out more. Supreme Master Chinhai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English with subtitles in Arabic. Olasiz, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Nepali, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. Mes aimables salutations, téléspectateurs compatissants. Je m'appelle Amadou. Le sincère peuple guinéen souhaite que votre parcours spirituel soit profond et aisé sous la protection de Dieu. La Guinée est un beau pays sur la côte ouest de l'Afrique, doté de superbes paysages. Le mont Nemba est la plus haute montagne de la région, culminant à 1752 mètres d'altitude. En 1981, la réserve naturelle intégrale du mont Nemba a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Trois des principaux fleuves d'Afrique de l'Ouest, le Niger, la Gambie et le Sénégal, prennent leur source en Guinée. Parmi ces ressources naturelles figurent d'énormes réserves de bauxite et d'importantes quantités de fer et d'or et de diamants. Le parc national du Haut-Niger est l'une des dernières zones importantes de forêts sèches d'Afrique de l'Ouest et l'une des plus précieuses aires protégées en Guinée. La région forestière contient plusieurs étendues de forêts tropicales avec des teks, des acajou et des ébéniers. Elle abrite également une faune abondante, notamment un nombre important de singes, chimpanzés, buffles, antilopes, hippopotames et bien d'autres. La Guinée est un pays agricole. Le long des ruisseaux et des rivières sont cultivés du riz, des bananes, des fraises, des agrumes, ainsi que des cocotiers, des légumes et des ananas. Plus de 80% de la population est musulmane, tandis qu'une minorité de Guinéens continue de suivre les religions traditionnelles et locales.
La musique est au cœur de la culture guinéenne et est reconnue par son usage distinct des percussions et des instruments à cordes. Le sens artistique de la danse moderne et de la danse populaire ont valu à ces musiciens et chanteurs une reconnaissance mondiale. C'est un plaisir de vous présenter brièvement les merveilles naturelles de la Guinée. Magnifiques téléspectateurs, nous souhaitons que votre cœur soit nourri par l'amour pur de Dieu. Depuis plus de trois décennies, le Maître Suprême Shirai éclaire notre monde de ses enseignements divins. Maître totalement illuminé, elle enseigne la méthode de méditation Kuan Yin à ceux qui désirent découvrir immédiatement la nature de Dieu intérieur et parvenir en cette vie à la libération éternelle du cycle de la réincarnation. La méthode Kuan Yin a été pratiquée par tous les maîtres illuminés tels que le vénéré honoré du monde, Bouddha Shakyamuni, le vénéré fils de Dieu, Jésus-Christ, le maître vénéré et philosophe, Confucius, le vénéré Seigneur Krishna, le maître vénéré et philosophe, Lao Tse, le vénéré Seigneur Mahavira, le prophète bien-aimé, Mahomet, que la paix soit sur lui, le premier gourou Sikh, Sri Guru Nanak Devji, et bien d'autres. Elle souligne que si nous nous souvenons toujours de Dieu, rendons service aux autres de façon désintéressée et suivons les lois de l'univers, nous atteindrons notre potentiel le plus élevé en tant qu'être humain et comprendrons vraiment notre mission sur Terre. Le Maître Suprême Shirai est un extraordinaire exemple vivant de compassion en voyant régulièrement une aide matérielle, financière, ainsi que de l'amour aux réfugiés, aux sans-abri, aux victimes de catastrophes naturelles et d'autres nécessitant des secours. Le Maître Suprême Shirai est profondément reconnaissante envers Dieu, bien-aimé, pour toute l'aide financière et réconfort et soutien qu'elle a pu apporter aux affligés et nécessiteux et ou à toutes causes au fil des ans en tant qu'humble instrument de sa compassion et de son amour pour ses précieux enfants. Le Maître Suprême Shirai remercie respectueusement tous les individus spéciaux, organisations, leaders et gouvernements pour tout votre soutien sincère, aimant et continuel. Que le ciel vous bénisse pour toujours. Nous, les membres de l'Association internationale du Maître Suprême Shirai, sommes aussi sincèrement reconnaissants pour votre gentillesse expressive. Nous vous adressons nos vœux, nos meilleurs vœux. Le Maître Suprême Shirai reçoit le soutien et l'amour de diverses organisations, médias, gouvernements et particuliers. Il lui décerne de nombreux prix, notamment le prix Gucci de la paix en 2006, considéré comme le prix Nobel de la paix en Asie. Le prix du leadership spirituel mondial en 1994, le prix Mahavir en 2008, le 22 février, le 25 octobre, tous deux proclamés jour du Maître Suprême Shirai et la citoyenne honoraire des USA, etc. et a été honoré au fil des ans de nombreux autres prix et reconnaissances pour ses actions philanthropiques et humanitaires exceptionnelles.
nous nous excusons de ne pas pouvoir montrer les nombreux autres prix et honneurs par manque de place et de temps. Le maître Prince-Hiraï remercie respectueusement tous les individus spéciaux, organisations, leaders et gouvernements pour tout votre soutien sincère, aimant et continuel. Que le ciel vous bénisse pour toujours. Nous, les membres de l'Association internationale du maître Prince-Hiraï, sommes aussi sincèrement reconnaissants pour votre gentillesse expressive. Nous vous adressons nos vœux, nos meilleurs vœux. Véritable voix pour nos magnifiques amis, les animaux. Le maître Prince-Hiraï promue l'alimentation végane, pacifique et aimante et rêve qu'une fois que l'humanité réalisera le caractère sacré de toute vie, nous aurons un monde totalement végane, paisible et glorieux, où les animaux et les humains vivront en parfaite harmonie. Ces initiatives pour diffuser la tendance végane sont multiples. Elles ont inclus la distribution des dépliants Le Mode de Vie Alternative, les restaurants véganes internationaux Loving Hot, les sociétés de produits alimentaires véganes, des produits de fourrure véganes, Supremassa Television, ainsi que des conférences régulières avec les dirigeants du gouvernement et des médias. Et sa participation à la conférence télévisée sur le réchauffement climatique, etc. Que nous le sachions ou non, ces efforts ont eu une énorme influence en sensibilisant de par le monde au mode de vie qui respecte les animaux et au fait que cette voie bienveillante peut apporter une paix durable entre les nations tout en sauvant notre planète du changement climatique et des catastrophes. Pendant des années, le maître Prince-Hiraï a voyagé dans le monde entier, des Amériques en Afrique, de l'Europe à l'Océanie. Elle a donné des centaines de conférences en public ou à ses disciples sur divers sujets spirituels. Aujourd'hui, nous sommes bénis de présenter une téléconférence éclairée intitulée « Comprendre les liens émotionnels et transcender le karma » troisième partie sur 5 dans « Entre maître et disciple » donné en anglais le 1er mars 2005 en Hongrie. Very difficult relationship already for a long time. Difficult relationship? Very difficult relationship with my husband. Yes. I would like to get away. And I haven't been strong enough so far to do it, but now I feel strong enough. Yeah. But I feel so sorry for him, you know. I know. So what, I don't know if he is my karma, if I should really try and just bear it, or if it's better if I get away, because I feel I can't make advance spiritually as long as I'm with him. Get away, yeah. Yeah. His energy is very, very negative. Dragging, yeah. Very depressed, and sometimes he's so full of hate. I understand. It's time. You can go. Can I go? Yes. But what do I do with him? I mean, can I just drop him? He's 72, and I feel... I don't know. What you do is what you do. You can give him money. I feel I don't have anything. No, I just feel sorry. Okay, sorry. Just give him then. No, I don't want anymore. What do you want me to say? Yeah. If you're sorry for him, keep him. Can one just sort of, you know, split and keep on good relation? Okay, then split and keep a good relationship. We'd probably get on much better if we didn't live together. Huh? We probably would get on much better. Yeah, who knows? Try it. And if you still feel sorry for him, he's still there. Just take him, put him back in the pocket. Oh, no. Up to you, eh? You have but to know. Is this an exam? But if you want to, you are in a position to go. Okay. How old are you? Today 61.
61, he's 72. Wow. Why you find such an old husband? No. I've been with him for almost 40 years or so. Yeah, I should find a younger husband. It's always better. Okay, any volunteers? And you don't have to take care. Men, when they're old, it's really difficult. Yeah, very, very. So most demanding, you know, a coffee at 7 o'clock, newspaper at 7:10. His sofa has to be right there and spotless, and, you know. His program is football, and you cannot change any other channel, blah, blah. Yeah. Whatever, okay, it's your problem, eh? But if you want to go, you can. Thank you, Master. But you have to take care that he's in a good hand somewhere, yeah, or somewhere. Yeah. I don't know if he's happy in an old home or with relatives. No. I think we just have to get him a flat. Oh, a flat, and take care of him then, okay? Does he have money? He has enough money to live alone. Right? We'll have to try and manage somehow. Yeah, or give him money to pay for the flat and for food and, yeah? Well, rather money than spiritual energy, no? Yeah. If that's what you feel sorry for him, then do it. Mm-hmm. Yeah, talk to him, see how he feels, yeah? Okay. Of course it's difficult, no? Or if you just keep him like I keep my dogs, it doesn't matter. They are so draggy, but they're nuisance, but they're already there, so I keep them. Yeah, but they probably don't abuse you. He abuse you? Yeah. Not verbally. And emotionally. He can be a very sweet, nice man, but when he has these bad faces, which are more often than not, he will wish me dead. You know, he'll say, why don't you drop dead? Why don't you go to hell? Okay, then just go dead. Go die. Come here, die here, and leave him alone. Anywhere, you know. If he wish you die, then okay, so you don't want to see me, then I'm gone. Just pack and go. Yeah, that's always an idea. Yeah? Yeah. Yeah, okay. Oh, I'm sorry. That's okay. But you're so happy, nobody would guess. But I'm happy because I'm with you often. Yeah, when you're here, I'm not always this happy at home. Oh, really? Yeah. Oh, poor baby. It's okay. I'm looking after my two grandchildren, and they're very happy little kids, and it makes up for a lot. Okay, he's so old, you have to take care of him a little bit, okay? Yeah. If you're separate, you take care of him. Yeah. If he's younger, I thought you were so young, I thought your husband may be 30 years old. Just drive. I thought you'd just drive and drop him at a gas station. And then. But if he's 72 years old, then you have to take care a little bit, okay? Yeah. Anybody did that to you? Ah, you're happy, like this. You like it? Okay, any more questions, babe? Any more questions? Yeah, sometimes a mundane problem cannot be separated from spiritual issue, eh? It's a very difficult thing. Yeah, it's no harm to separate from him, no harm. Just get him a place, take care of him, but you have your space, you know? And also save him a lot of karma cursing you. And me as well, because he brings out the worst things. Yeah, sometimes it's like that. Enemies always happen to bump into each other. And then love at first sight even, you know, and all that stuff. And then you never know what, you know? Everything is full of all the appearance in this world just kind of fool you, and you lost everything and you don't even know. Horrible. Some people they open restaurant and all that, you know, and very prosperous, and they sell meat and all that. They think they earn a lot, but they're losing, you know, appearance. Yeah? You know, he's not just a bad man. I feel that he's progressing since I meditate with you. Oh. He sometimes tells me, when I go on a retreat, for example, you meditate for me, I need it. Oh. But on the other hand, he can make, you know, he keeps telling me, oh, you're going again. And as soon as your tape is on, he immediately rushes in and turns it off. And so it's a bit, he's like possessed by some very bad energy sometimes. It's not possessed, it's just low level. Ah, okay. It's just astral. Mm-hmm. Unfortunately, we have only a few millions of them, but they're spread out everywhere, hanging on to us, yeah? Mm-hmm. To you. Already prepared.
That's Maya already prepared the karma from last life. Mm-hmm. Whoever your enemy, they plant it around you. Mm-hmm. Make trouble. Even plant it as your friend, mm-hmm. your husband, your wife. Difficult to get rid of. Mm-hmm. Yeah. But you're lucky, you have only one baby. I have many. I have to love them, take care of them, just like you. Yeah? Thank you. Mm, you're welcome. I wish you luck, eh? I wish you luck too. You're so beautiful. You'll be happy, no problem finding a boyfriend. If you want one. Yeah? Just get rid of him and then something else will happen. You keep hang on to it, you know, so you're not happy and you're not open, and so nobody wants to approach you because you're so depressed and always hanging on to that person, and that his energy is clinging to you when you think of him. Mm-hmm. So, bro, it's just feel, yuck, huh? Right, anyone have a family problem? Today I am in a good mood. Moi aussi, j'ai le même problème avec mon couple. Je suis 22 ans avec lui. 22 ans? 22 ans. Mais quand? Ensemble. Ensemble? Oui, 22 Ooh. Ans. But depuis how old are you? 40. Not possible. C'est si jeune. Merci, maître. Comme teenager, 20 ans. 22 ans. 22. 22, ok. Alors, ça marchait parce que je suis très très heureuse pendant beaucoup d'années avec mon mari. On a eu des problèmes extérieurs et puis il a changé beaucoup, moi aussi, mais moi je me suis remontée. Comment changer, On avait une relation très très bonne, mais il a changé, il a souffert beaucoup. Et puis il a changé la relation avec moi. Alors, qu'est-ce bon, le problème, c'est quand... que bon, je ne tiens plus avec lui parce qu'il me coupe mon spiritualité. Ah, alors, c'est vrai. Pour être avec lui, je dois laisser de méditer. Alors, il y a des moments que je ne tiens pas le coup, je dois méditer. Vous comprenez, maître? Comprends. Pour être avec lui, je dois laisser de faire ma méditation. Parce que mais pourquoi? Parce que énergétiquement, je ne peux pas résister, parce que de temps en temps, il boit, il mange de la viande, alors je ne peux pas être avec lui. Mais il ne faut pas être avec lui dans votre corps, vous êtes ensemble. Oui, mais je suis plus amoureuse de lui maintenant. Hein? Je suis plus amoureuse de lui maintenant. She doesn't love him anymore. Je comprends, mais qu'est-ce que tu veux faire? Non, maintenant, je veux dire que je suis en train de me divorcer. Et yeah. Puis on a deux enfants petits, oh. De 4 ans et 7 mois. Oh, alors. Oh. Ouais, c'est des problèmes. C'est trop jeune. Mais bon, j'ai une sœur initiée qui va venir m'aider à soigner les enfants. Ah, ok. Alors, de moment, c'est ça. Mais il est très gentil, alors on va le laisser peu à peu. Voilà. On va le laisser peu à peu et puis. Je sais pas si je peux. Si je sais pas. Mais qu'est-ce que tu veux alors? Tu veux divorcer? Non, je veux demander si. Tu veux divorcer ou tu veux avec. Non, de mon moment, je veux essayer de laisser passer le temps et on verra bien après ce qui peut se passer. Ok. Ça va comme ça? Je sais pas. Je pense. Ça va, je pense que c'est le meilleur pour moi, pour ma méditation. Moi, je ne sais pas non plus. C'est que je vous fais comme vous sentiez dans votre corps. J'ai eu 2 années pour le penser. Ok. De toute façon, doucement. Oui, okay? C'est ça, doucement. Je fais très très doucement. Ah, très doucement. Très très doucement. Parce qu'il y a les enfants. Hein. Oui. Mais il faut faire attention que vous n'avez plus d'enfants. Hein. Ah non. J'en ai assez avec deux. 6 mois, mon Dieu. 7. Comment 7. Ça va, c'est comme à 7 années? Non, 7 mois. 7 mois, la petite.
How did it happen, Leo? Okay, c'est tombé. Je pense que c'est le karma. Ok, ça va bien. C'est tout le karma, hein? Ouais. Comme vous voulez, hein, ça fait rien. Hein? Vous pouvez parler l'anglais, on peut me traduire. Traduire. She's talking about her relation with her husband. She's married since 22 years, but she has two kids, very small, 7 months and four years, and she wants to divorce because the relation is not very good. So she says she would like, maybe she will do it slower. Yeah. And the master say yes, and she can have some help from her sister, initiate, who will help her with the children. Mm. So, but he still love you. It's not true. She say that he doesn't. Oh, she doesn't love him anymore. Yeah, but he still loves you very much. Is that true? Or no? Yeah. She knows. Oh, yes. That's difficult, huh? Maybe you try to tell him be vegetarian and drink less. Ça marche pas? Ouais, ça. Difficile? Parce qu'il t'aime beaucoup, hein? C'est facile, también. C'est facile de parler avec lui. Il veut quitter l'avion et quitter l'alcool. He loves you very much, so it's easy to talk to him and to tell him to stop eating meat and drinking. Maybe because of that, she feels disgusted. So the love relationship is strange a little bit. But if he follows the way she lives her life, maybe the relationship will improve. You don't have to divorce a person just because he eats meat or drinks alcohol. Tu n'as pas besoin de divorcer quelqu'un simplement parce qu'il mange la viande ou il boit l'alcool. Il faut l'aider à changer. There are worse things than eating meat. Il y a des choses pires que manger la viande. Yeah. If the person is brutal, is low level, is bad, abusive, is worse than the person who just eat meat and do not act in a violent way. Il y a des gens qui sont violents, qui sont brutaux, qui peuvent abuser de toi, et c'est pire que des gens qui mangent la viande. Yes. So he could change if you want to change him. Il peut changer si tu veux qu'il change. He's a good man. Il est un bon homme. Yeah. And you have already two children, so you should consider very well before you act. Tu as déjà deux enfants, donc tu dois vraiment bien réfléchir avant d'agir. Good man, difficult to find. Un homme bon, c'est difficile à trouver. Yeah. He's very, very loyal. Il est très loyal. Yeah. And he loves you. Et il t'a quitté? He loves you. Il t'aime. And on that basic, you can work. Tu peux travailler sur cette base. Yeah. You've been with him long time. You should help him as a friend. Ça fait longtemps que tu es avec lui, donc tu peux l'aider en tant qu'ami. Yeah. You tell him that you prefer him be vegetarian and do not drink, and then maybe you feel better about it, and then he will do it. Dis-lui que tu préférerais qu'il soit végétarien, qu'il boive pas, et peut-être plus tard, s'il le fait, he will do it. Et peut-être qu'il va le faire. Hein. Yeah. Maybe he will do it. Then you will work on that love relationship, hein? You have children together. Et comme ça, vous pourrez travailler sur l'amour. Vous avez des enfants. Maybe it workable. It's still workable, eh? Peut-être c'est possible que ça marche encore. Okay. Anyone else? No. I just feel very bad about having talked about my husband because it looks like he's only bad. He really has also very good sides. Of course. He's very caring, and yes. I suppose he, in a way, in his own funny way, he loves me. That's why I could never get away from him. Okay, then don't get away, baby. No, I want to. I just want to be sure he told me that he's abusive and yeah, he's dragging your spiritual practice and blah, blah, blah. But not always. He curses you and all that. Not always. But you can do it. Of course, nobody do it 24 hours. Excuse me. Of course, everybody have a little point somewhere. I told you already.
He opened the car door. She cooks good. Yeah. All this little point to hold us there is like a cuff, you know, small, but it binds all the fool for yourself and for everybody. Yeah, emotional bond is very strong, eh? Not easy to shake it. It's up to you. Live with him 30 years or something already. Why not a couple more years? The guy's too old already. He might go tomorrow. What's so funny? Yeah. Such a happy person. It's always like this, you know, somehow. Lời chàng như gió thì thầm, lòng anh hạnh phúc dạt dào bên em. Téléspectateur est pris de paix. Merci de vous être joint à nous pour le programme du jour intitulé « Comprendre les liens émotionnels et transcender le karma ». Troisième partie sur cinq, dans « Entre maître et disciple ». À suivre, appréciez ce que vous avez dans le pays des merveilles, des enfants, juste après les nouvelles déceptions. Restez sur Supremacy Television pour plus de programmes positifs. Que vos jours soient remplis de plus profondes vibrations de paix, de sagesse et de beauté. Peace-loving viewers, thank you for joining us for today's program entitled Understand Emotional Ties and Transcend Karma, Part 3 of 5. On Between Master and Disciples. Coming up next is Appreciate What You Have on Kids Wonderland, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programming. May your days be filled with the deepest vibrations of peace, wisdom, and beauty. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/BMD.